Alors que les dernières rumeurs laissaient entendre que l'Arabie Saoudite était intéressée par un rachat de l'Olympique de Marseille sous la houlette de Zinedine Zidane à l'avenir, il n'en sera rien. Le serpent de mer de la vente de l'OM a encore sifflé. La semaine dernière, des rumeurs ont laissé entendre que l'Arabie Saoudite était intéressée par un rachat du club phocéen et que le projet sportif à venir pourrait s'établir sous la houlette de Zinedine Zidane. D'après les informations du journaliste Bastien Bory, n'en serait rien. Mes sources en Arabie Saoudite démentent les propos de ce journaliste, affirme le correspondant à Dubaï du média I24 News. Il parlait d'une arrivée de Zidane et d'une enveloppe de 300 millions d'euros. On aurait aimé que ce journaliste identifie ses sources et était ses propos. Deux de mes sources ont démenti, dont l'une qui travaille au sein du PIF. Cela ne veut pas dire pour autant que l'Arabie saoudienne ne s'intéresse pas au championnat de France, mais Franck McCourt n'est pas prêt à lâcher son affaire dans l'immédiat. Zidane rêve toujours des Bleus. Au sujet de Zidane, Bory est aussi limpide. À terme, il est admis que Zidane aimerait diriger l'équipe de France quand Didier Deschamps en sera parti. D'ici 3 à 4 ans. Entre-temps, Riyad aimerait lui permettre d'entraîner un club en Arabie Saoudite pour capitaliser sur lui et sa réputation.